pièce fermée à son sommet. Lorsque vous regardez autour de vous, chaque chose que vous voyez prend place dans votre centre visuel, c'est-à-dire dans une région de quelques centimètres cubes qui se trouve dans la partie arrière de votre cerveau. À nouveau, votre corps qui ne consiste que d'une perception et dont vous ne pourrez jamais être sûr de l'existence au-delà de cette perception est également ici. Maintenant, supposons pour un instant qu'en dehors de cette perception, vous ayez en outre un corps matériel. Si vous croyez à l'existence d'un tel corps, vous devez accepter qu'un autre corps gigantesque prenne place en dehors de votre corps que vous voyez en ce moment. Vous et tout ce que vous voyez, c'est-à-dire votre pièce ou la totalité des entités au dehors, vu qu'elles arrivent à se trouver dans le centre visuel de la boîte crânienne de ce corps, le corps matériel et physique de ce dernier doit être très très grand. Dans cette situation, vous serez alors une personne miniature vivant dans la boîte crânienne de ce géant. En d'autres mots, vous serez une personne emprisonnée qui vit dans une pièce verrouillée au sommet d'une tour géante, qui ne peut jamais sortir de cette pièce et qui peut seulement regarder l'écran installé devant lui. Si la tour est votre corps matériel pour lequel vous prétendez qu'il existe dehors, si elle est le corps que vous voyez, celui qui est emprisonné au sommet de la tour, c'est le petit homme. C'est-à-dire que la tour est votre corps et la petite pièce qui forme votre monde au sommet de la tour est votre cerveau. Votre cerveau est une pièce fermée de laquelle vous ne sortez jamais, car votre monde extérieur, que vous croyez tout être, est en fait les perceptions qui se produisent dans votre cerveau. À aucun moment, vous ne pourrez aller au-delà de ces perceptions et accéder à la vraie matière. Vous regarderez les signaux électriques perçus par votre centre visuel, mais à aucun moment vous ne pourrez voir la vraie source de ces signaux.